à la Maison des médias du Tchad. C'est une conférence de presse qui est animée par la Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer et le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale. La Ligue tchadienne de lutte contre le cancer est une institution qui lutte contre le cancer. Et pour ce faire, elle s'est assignée quelques objectifs spécifiques, à savoir mener des actions de prévention axées sur la sensibilisation sur le cancer, sur les facteurs de risque, et faire des plaidoyers auprès des autorités tchadiennes et des partenaires du Tchad pour que notre pays soit doté du plateau technique pour la prise en charge des malades de cancer. Pour le président de la LTCC, le défi de cette lutte ne peut être relevé avec la contribution des journalistes appelés à relayer l'information à la population. Nous souhaitons vivement votre engagement à porter les messages à l'endroit de la population. Éviter le cancer, c'est possible. Selon le président de cette ligue, il est important d'éviter la consommation de stupéfiants. L'occasion est donnée à la cancérologue Dr Fatima Abakar Abdraman Hagar, par ailleurs coordinatrice du programme national de lutte contre le cancer au sein du ministère de la Santé publique, d'échanger et d'édifier largement la presse. Les divers facteurs de risque contre le cancer sont au centre des débats. Elle met l'accent sur le dépistage précoce, moyen de prévention le plus efficace.